C'est l'heure de Beau Boulot avec le groupe CAVAC. J'ai commencé comme beaucoup à la CAVAC en tant que saisonnier, donc pour les collectes de céréales. J'ai fait ensuite donc mon apprentissage sur le site de Saint-Fulgent. Et après, je suis arrivé ici sur le site de Saint-Denis il y a 2 ans et demi maintenant. Ce qui est bien, c'est que c'est très variable. On est obligé de s'adapter constamment. Comme aujourd'hui, collecter de la céréale, enfin du maïs, du tournesol, et dans une heure pouvoir proposer un sac de riz gras à un agriculteur qui va devoir semer et après lui proposer de l'alimentation animale pour ses bêtes. Donc c'est très varié et on touche à tout. De juin à juillet, on collecte des céréales, donc du blé, de l'orge, du triticale, etc. que moi je stocke dans mon silo qui est juste derrière. Où là, ici, sur Saint-Denis, on a une capacité de 5000 tonnes. L'automne, on a le maïs, le tournesol. Et après, sinon, j'ai d'autres missions continuellement qui vont être du conseil, notamment au niveau alimentation animale, au niveau des chantiers d'ensilage ou de paillage dans le manège, etc. Pouvoir proposer un conseil à nos agriculteurs pour pouvoir leur proposer le bon produit, la bonne semence ou autre, pour qu'ils puissent performer dans leur entreprise. C'est aussi la confiance qu'eux nous apportent et c'est surtout aussi de faire de la qualité aussi avec eux. Pour moi déjà la base c'est de l'apprentissage. Je suis passé par là, j'ai été en apprentissage. On a beaucoup de stagiaires, on a pas mal d'apprentis aussi dans nos différents services et c'est ce que entre guillemets la CAVAC recherche aussi pour pouvoir former ses collaborateurs au plus tôt pour qu'ils évoluent après au niveau interne par la suite. C'était Beau Boulot avec le groupe CAVAC.